Quel que soit le domaine d'activité auquel vous appartenez, sachez que être chef n'est pas quelque chose de facile. Si tu veux être un chef un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Et dis-toi bien que si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu doutes, ils désespèrent. Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépassent. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Si tu pries, alors ils deviendront des saints. Si tu veux bien diriger, il faut d'abord savoir obéir. Si tu veux être respecté, il faut te respecter toi-même. Si tu veux exiger quelque chose de tes hommes, il faut être exigeant envers soi-même. Si tu veux bien commander, il faut d'abord savoir obéir. Le subordonné est sensible à la disponibilité du chef à l'instant où il en a besoin et surtout soit impartial. Donner l'exemple de disponibilité est le plus simple, le plus constant, le plus réel des actes de la charité fraternelle. Le bon chef est celui qui est à l'écoute de ses employés, qui leur donne l'impulsion et la volonté à la tâche. Enfin, le bon chef est attentif, réconforte et encourage à reprendre courage.